la vie actuelle, le rythme actuel, les réalités, comme si on était dans un autre monde, au fait. Et honnêtement dit, tu possèdes une âme artistique, c'est difficile de devoir vivre ainsi, de devoir... de devoir se voiler la face, de devoir se créer autre chose que ce qui résonne en nous. C'est pas la première fois qu'on me dit tatou d'une diva, tu es une diva, tu es une diva, tu devrais faire la musique de diva. Mais il y a combien de personnes qui encouragent cela? Il y a combien de personnes qui encouragent cela? Combien de personnes talentueuses ont dû faire la musique alimentaire de peur que ça ne marche pas ou que ça ne soit pas accueilli comme il se doit? Parce que c'est vrai qu'on fait la musique, c'est vrai que c'est notre passion, mais nous autres, on n'a pas choisi d'autre chose à part la musique. Donc en plus que ça soit notre passion, c'est notre gagne-pain. Je suis un peu saturée, en fait. Là, je devais sortir, je suis maquillée, je suis prête, mais c'est mort là, je pourrais plus mettre mes pieds dehors. C'est un trop plein d'émotions qui remontent au fait. Et il y a plein de personnes qui connaissent la musique. Je veux dire, la plupart des personnes qui donnent ce genre de conseils là, c'est pas que de simples mélomanes, c'est des gens qui ont l'oreille musicale, qui connaissent la musique et tout ça. Qui te disent, vas-y, tu as une voix porteuse de messages. Tu as une voix qui va au-delà de ce que tu donnes. Il faut te mettre dans un registre de diva et autres. On me ramène à Grand Bérébi, tu as vu Grand Bérébi, ce qu'il a, ta musique Grand Bérébi, c'est profond, c'est ceci, c'est cela. Mais quand tu fais ce genre de choses et que personne ne te soutient, personne ne t'accompagne, il n'y a même pas de, je sais pas, juste un, c'est même pas l'argent que je demande, moi. C'est pas l'argent que je demande. Parce que à mon âge là, avec tout ce que j'ai dû supporter et braver pour être encore dans la musique jusqu'à aujourd'hui, c'est pas l'argent qui est le plus important. J'ai pas dirigé ma carrière, mon orientation musicale ou ma perception des choses ou ma vibration intérieure à l'argent, sinon je ne serais pas là. Mais juste encourager des gens qui veulent faire des choses sensées. Comme si tout le monde était contre le fait que les choses soient sensées et bien faites et bien conçues, au fait. On a de la jeunesse qui est là, on a des héritages à transmettre à l'avenir, à la nouvelle génération.